I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Salut tout le monde, c'est Ellipse et aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 2 de notre SP sur Sleeping Dogs. Donc j'espère que cet épisode vous plaira, je vous remercie de le regarder. Alors vous avez été très nombreux à le vouloir cet épisode 2 là. Donc le voici, le voilà. Donc c'est simple, on va faire comme d'hab, on se retrouve directement à l'endroit de notre mission. A tout de suite. Ok, bon les gens, on se retrouve, en fait pas encore tout de suite à la première mission, c'est juste que là je vous retrouvais après un petit massacre, hein, j'ai envie de casser les gueules en mode comme ça, et en gros je me suis dit tiens, on peut prier ici, donc je me dis, on allume le rec juste pour prier, voilà, donc prions ensemble les enfants. Voilà, c'est le moment prière. Donc voilà les gens, ce coup-ci on se retrouve à notre toute première mission. Sauf que là j'ai un petit truc à vous montrer avant. Donc c'est qu'ici apparemment on a une moto. Donc on commence le jeu avec une moto qui a l'air pas trop mal, hein. Oh yeah. Bon voilà les gens, donc du coup on se retrouve à la première mission. Bordel de merde. Ok, voilà, on se retrouve sur le lieu de notre première mission. Donc c'est parti, ça lance la cinématique sans que je le veuille. Jack, I'm just a little frustrated, stuck being Winston's errand boy. You know, I was making serious bank back in the States. Come on, we're just paying our dues. Winston's a loyal guy, he'll hook us up when the time's right. You can't always wait for the world to hand you what you want. Sometimes, you gotta just take it. Totally, man. It's time to take a little initiative. We gotta prove ourselves to Winston and the Sun On Yi, or we'll never move up. Is there anything going down in the next few days? Shit, yeah, there is. Dog Eyes has a big shipment of stolen. Ok, bon, en fait, j'en ai marre de me mater les cinématiques. Donc, on la gardera vraiment quand elles seront intéressantes, hein, parce que je connais le monde du jeu, ça pourrait être intéressant à regarder. C'est-à-dire pas maintenant. Respectez le code de la route pour maintenir votre score. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre du score de police? Moi, je les encule. Oh yeah. What do you think that you're made? You're not worried that she doesn't want to talk to you? Bon allez c'est parti, on va à notre première mission. Par contre ça m'aura toujours perturbé de devoir rouler à gauche, hein, sans déconner. Rouler à gauche, et qui sont les cons qui font ça à part les chinois et les anglais? Et ta mère toi. Et pourquoi tu as gueulé A lui? Ah t'imagines porte parquet? C'est plus simple, c'est genre directement bam. Ah bon bref, respectons le code d'arbre, allez, c'est parti. What's all the crap in the back? The haul from my last score, baby. C'est pire que GTA de devoir le respecter. Tires, CRT monitors, a whole bunch of stuff. Ouais, c'est vraiment pas si. CRT monitor. Fuck. Ah! Put on his mask. Ah, je m'en souviens de cette mission-là, c'est une mission. What? Ouais, j'ai eu un black screen, c'est rien. Il ne s'est rien passé à part un vieil écran de merde. Ah, je m'en souviens, cette mission-là, c'est la mission où on va pouvoir se bastonner de tous les côtés. Oh yeah! Hey, salut les potes! Dites, on fait connaissance? Venez, on fait connaissance, les gars! Oh merde! Oh non! Ah, mais c'est quand même violent ce jeu. N'oubliez pas que la violence, c'est mal. Et qu'il ne faut pas jouer à des jeux violents ou être violent envers son prochain. Après, vous pouvez lui faire ça. Si vous êtes assez souple pour faire ce que ce mec fait. Ah, oh putain. Ah, je suis mal barré là. S'il me prend encore deux coups, je suis mort. Ouh. Oh, ça y est, là, il est en mode vénère. Ça y est. Allez, un. Le suivant. Ouh! Nique ta mère toi. Allez hop! Poum! Tu vas venir avec moi toi? Oh! Ah ce jeu il est limite gore en fait. C'est... Oh le pauvre, j'ai de la peine pour lui. Oh putain ils ont des armes. Oh fuck!
J'ai envie de dire, on est dans la merde. Non, non, toi, tu vas te faire foutre. Et mais t'as ton pote qui reste dans la voiture là au calme, il s'en bat les couilles. T'es en train de te faire casser la gueule, il te laisserait mourir, tu sais. Bah, c'est ça, ouf. Ah, c'est mieux comme ça. Mais c'est du viol là. Oh! On va dire viol. Viol, viol, viol. En fait, là, je ne me souviens plus de ce qui se passe. Ah oui. Allez, suivez. Et vu mon talent pour conduire, ouais, mon talent de conducteur, ça va pas être exceptionnel. Hein. Allez, c'est parti. On va se le faire. Allez. Comment est-ce qu'on veut pour déraper? Ah, c'est B, ok. J'ai envie de comprendre comment déraper dans ce jeu. Alors, ça va, c'est mes débuts. Hein. J'ai une excuse. Attends-moi, poteau. J'ai oublié de te dire un mot. Tu vas pas me faire chier longtemps, attends. Je vais faire ma technique parking contre lui. Pardon, c'est ma faute. Oh bah écoute, il veut pas m'emmerder, tant mieux. Hé hey, poteau, attends-moi. Sur X. Donne ça. Après, il est trop dur ce jeu. Et le mec, il est en train de se barrer, je vais jamais le rattraper, putain. Allez, come on. Pomme. Allez, c'est parti. On va se les faire. Pardon, c'est ma faute. Mais par contre les gens, il faudra que dans les commentaires, vous dans les commentaires, il me faudra votre avis. Alors est-ce que vous voulez que les épisodes de Sleeping Dogs sortent comme maintenant, une fois tous les 4 jours, ou est-ce que vous voulez qu'ils sortent une fois tous les 2 jours entre les colloques du jour? Donc c'est à vous de décider, j'attends votre avis dans les commentaires. Oh mais les pauvres voitures. Et attends moi aussi, le mec t'as eu sa bagnole, la vitesse suivante, ça va. Allez, come on, allez. Allez, attends moi connard. Eh enculé. Ah ça y est, on se rapproche là, on se rapproche, vas-y. Il va à droite ou à gauche là, à droite. Enculé, même pas foutu de m'attendre. Pardon, je suis vraiment désolé, hein, mesdames. Mais... Ah là, disons que j'ai un petit peu des. De je ne sais pas quoi voler. Ouh! Ça y est. Enfin, on a fini avec ce putain de connard de merde. Et il faudra aussi votre avis sur, sur la durée des vidéos de Sleeping Dogs. Parce que, écoutez, ça dépend un petit peu des gens. Il y en a qui veulent plus des épisodes de 25-30 minutes, et il y en a qui veulent du 1 heure. Donc ce sera à vous de décider tout simplement. J'attends, comme c'est dit, dans les commentaires. Allez, dépêche-toi, connard. Damn, that was crazy, man. We did it, holy shit, we did it. Visé jusqu'à top, glamour, machin. That was our big boost. Pardon. Jackie, he's a fake as fuck. Holy shit. Oh putain les flics. Where'd they come from? Attends, on va. Je vais jouer en mode. On va péter la gueule le flic, attends. Attends là, on va y aller doucement. Ah, je pense que je vais faire ça comme méthode maintenant, mieux de me barrer comme un lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Écoutez, là, on va rester sur place, donc on va y aller. Hein. File long, file long. Voilà, c'est bon, je suis filé. Pouah! Dans le genre réaliste, c'est encore mieux que GTA, hein, attention. Oh merde. Où suis-je? Merde, je suis où là?
Oh merde. Comme disait ma grand-mère, ne roule pas à l'envers si tu ne veux pas qu'on... Non, ouais, non, non. Je ne dirais pas cette blague, vous la connaissez déjà pour la plupart. Et putain, mais... Je suis toujours en sens inverse, mais what the fuck. Ah, oh, par là. C'est ma porte de sortie, ça. Non, même pas. J'ai kiffé quand même ouvrir la portière, c'est pour que tu roules. Ça y est, on va failli arriver. Ça y est. Pardon. Ça c'était juste, on va dire, tonton. Sure you don't want me to stick around? No, man, I got it under control. So, Nola. All right, your deal. Hey, wait. You did good out there. Here. Take this watch. You earned it. Wow. J'ai gagné une montre. Ouh. Super. C'est le début de la richesse, comme on dit, à une fausse montre. Ça démarre bien. Alors, par le dragon qui tourne, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ok, donc c'est la fin de la mission. Ah, nickel, on va pouvoir faire notre première amélioration de triade. Alors. Oh oui, dégâts de tous les attaques augmentées, ça oui. Voilà. Bon, bah, du coup, les gens, on se retrouve directement à la prochaine mission. A tout de suite. Voilà, les gens, on se retrouve à notre deuxième mission du jour. Oh, aussi une photo. Oh oui, une photo, hein. You done good. You restored order to the Night Market. Well, you took a chance on me, Winston. I wanted to make sure it paid off. You got the right attitude. It's gonna pay off for you. You'll see. You know anything about the minibus racket? Well, same as everyone. If you want to drive a good route, you pay the toll. That's right. You know the pickup on Marble Drive? The most profitable route in the whole fucking city. From now on, it's yours. Ah, sympa, il m'a donné un itinéraire de bus. Ouh, super. Right now, it's his route. But you know how to get it. Alors, pas, c'est bon, on a compris. En gros, il va falloir aller dégager le terrain de deux guys. C'est bien parce que tu traduis ça en français, ça donne les yeux du chien, donc c'est un petit peu. Oh, trop cool, je prends bien le bus. Pardon. Fuck them up. Smack them around, no killing. What, afraid of little blood? Dog Eyes is son on Yi. We're taking the route, not declaring war. You can ask, it's fine by me. Oh, une sur une moto. Bam! C'est pas? Pourquoi on change les gens là? Good job. Yeah, kick his ass. Who are you? Get out of here. D'accord, allez, à plus. Qu'est-ce qu'il fait lui? What? Wow, qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qui se passe avec lui dans le bus? What? Il y a un mec dans le bus, ah il se relève. Oh, il a la tête en dehors du bus. What the fuck? Putain, c'est quoi ce bug? Il a l'air de s'amuser apparemment. Ah, il est redescendu en dehors du bus. En dessous. Il est où maintenant? Ah, celui-ci est couché dans le bus. Sympa. Qu'est-ce qu'il passe? Oh, bagarre! Bagarre! Pop. Allez. POUM! Ça va faire mal. Oh là là, allez, ça va tellement faire mal quand même. Ouh, fuck. Oh, sac à main. Trop bien. Ah bah ça y est, il est à nouveau là. Il est à nouveau là, il est... Ouais. Il a l'air bien là où il est quand même. Hein. Il est debout. Oh non. Oh, il est sur un autre gars en fait, il a la sac...
Tu vois où son cul est sur la tête d'un de mes gars là. Oh putain, what the fuck. Dans sa tête, elle sort du bus, on dirait une girafe. Regarde, cette con qui fuit parce qu'ils ont peur de lui. Pourquoi là? Nobody coming for you. Fuck you, boy. I still think about that poor fucker sometimes. Pardon pour les dégâts matériels, je repayerai. C'est l'air. Mais je me dis qu'est-ce qu'il fout là lui quand même. J'ai jamais vu un bug pareil là. Oh, je commence enfin à comprendre le dérapage, comment ça fonctionne. Ouais, c'est peut-être temps. Hein. Boum! Non. Boum! Il y a de la bagarre là-dedans? Let's go. No, 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 you stay here. I'll do it. Watch how a real man does it. Son of a bitch. Ok, il a traité de fils de pute, j'aimerais savoir pourquoi. Harceler les minibus rivales pour qu'ils s'arrêtent. Oh, harceler, je sais faire ça. Hey you, you want this ride, you gotta pay for it. Are you stoned? I already paid, don't I? Belongs to Winston now. Winston? I don't know no Winston. Pull over, I'll tell you about it. You're wasting my time. Ouais, bon, désolé pour ceux qui écoutent la vidéo avec un casque, hein, mais je pense que vous devez être mort. And see how you drive then, huh? Ah, tu t'arrêtes, sage décision. Ok, ok. On est qu'on passe Messi, là. There's a slight problem with your bus, so we're doing a change. Don't worry, people. After a quick change of drivers, we're on our way. Oh, mon gars, tu me dis ça, ça va me mettre dans la chine, là. Allez, c'est parti. Casse-toi. Ooh. You can't drive this way. Who the hell are these guys? Mistaken identity, people. Don't panic. C'est où, bande de juifs? Toi aussi. Toi aussi. Suivant, il est où? Merde. Ils sont combien là? Il en reste un. Ah, il en reste deux. Putain. Le but c'est quoi? C'est que je me casse ou que je les défonce là? Puis à chaque fois ils apparaissent de plus en plus. Hein. Voilà. C'est vrai que les passagers ils ont quasiment rien, mais ça va. Ah voilà, ça monte, allez vas-y. Partons en vitesse à notre prochaine destination, moyen. Ok mon ref. Ah. Pardon. Le réchauffeur ne conduit jamais comme ça, bah t'es pas content, tu dégages un connasse. Et bon, qu'est-ce qui arrive à mon toit? Comment ça me fait la réflexion, qu'est-ce qui se passe? Plus excitant qui m'est arrivé cette semaine. Juste cette semaine, tu vois. Ah, et ben voilà les gens. Pourquoi c'est un qui vient de se jeter? D'accord.
Bon, du coup, les gens, on se retrouve comme d'habitude à la prochaine mission. À tout de suite. Voilà, les gens, on se retrouve pour la troisième mission de cet épisode. Donc, c'est parti, c'est une mission des flics. Donc, ça va me faire chier. Je déteste faire le flic. Moi, je préfère faire le barbare. Genre. Pardon, tout va bien. Allez, hop, on s'en fout. Non, non, oui. On s'en fout. De toute façon. Toutes les cinématiques qui contiennent la police, je passe parce que on s'en bat un peu les couilles, honnêtement. Retrouve-moi au centre de nouilles du marché. Oh, trop bien des nouilles. Oh, j'ai vu un coffre. Alors, j'ai gagné quoi? Bah ça va, t'imagines dans la rue, genre tu trouves un coffre comme ça, 5000 dollars en plus, boum. Au calme. Hé hey mec, ta moto. C'est moi le taxi maintenant, connard. Ah d'accord, mais en fait c'est de l'arnaque parce que ça a pas encore lancé la mission, en fait c'est juste une cinématique pour lancer une autre mission après. Ah je suis lagué. Bon, du coup, écoutez, les gens, on va pas se quitter, hein, on va rester ensemble jusqu'à ce qu'on arrive au point des flics, tout simplement. Voilà, come on. Ouais, donc là, du coup, vous devez voir en bas à droite des coups de pseudo Never Ellipse. Alors, pourquoi Never Ellipse? Parce que le jeu, je l'ai eu tout simplement sur ce compte là, Never Ellipse. Donc, du coup, sur le compte The Ellipse, donc mon compte sur lequel je joue le plus, je peux pas jouer dessus. Donc du coup je suis en train de jouer sur le compte, comme je viens de dire, Never Elite, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez ça, ce n'est pas un changement de GT ni rien, voilà. Voilà, allez, hop, casse-toi. Monte. Et monte. Ok. On va passer sur le côté, ça marche bien aussi. Parlez à Ming. Ah, Bonjour, moi Ming. Le gros temps en train de bouffer. And everything you need? No, man. I haven't been back to Bobstar since I left Dog Eyes. I'm not sure how he's gonna take it. Want me to talk to him? Yeah. I'm just about out. So grab my next shipment and make sure everything is cool. Ok, bon, ouais, pas de problème. Écoutez, on va leur aller casser des gueules encore une fois. Tant mieux. J'aime casser des gueules. J'aime. Est-ce que je vais faire 200 mètres à pied? Non, je ferai pas 200 mètres à pied. Allez, come on. Ah non, mais à pied, ça aurait été gavé, non. Bah ça va, t'as l'air bien, toi. Hey, is Popstar around? You Popstar? Who's asking? Look, I work for Winston. Dirty Ming's operating in our territory. I want to make sure he's supplied. Sure, I'll fix him up. But... But what? I gotta get paid. In advance. I'll make it easy for you. A couple of deadbeat junkies owe me money. Guys used to deal for me before they became their own best customer. Collect what they owe me, and I'll hook your man up. Ok, donc cassage de gueule. Bon, ça va, ça a pas l'air long, 50 mètres, là. Pum! Pardon. Je suis vraiment navré, hein, monsieur, mais... C'est-à-dire que vous étiez un petit peu dans mon chemin, donc vous m'emmerdez. Bonjour. Oh, bagarre. Faut que le poignet. Récupère... Ah, c'est tout. Ah, c'est ça. Ah, bah, c'est de la merde. Popstar prayed real hard this morning. Time for you fuckers to pay up. Merci, bonhomme. Allez, hop. À la prochaine. Ils nous ont tués. C'est genre le mec qui les tue avec un coup de pied, tu sais. Ah, c'est pas là qu'il fallait monter. Allez, tu peux pas monter ça, gros tas, va. Tu sais, on croirait Link, en fait, dans... What? Il s'est passé ce qui vient de se... Non. Faux. What? En gros, si vous voulez, gens, donc j'ai sauté là et ça m'a fait directement sauter ici. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'était passé exactement, mais.
Ça écrit pas trop lui. Qu'est-ce que tu veux toi, PD? Tu veux? Tu veux? Ah, tu es moins le malin là, hein, connard. Who's that? Feng Shen. Best shit in Hong Kong. You got my money? Got your money. Here's your package. Tell Ming to stick with girls over 14 this time. It's the cops. Stay cool. Hey, you two, come over here. Let's go. Oh, course poursuit, George, j'ai aimé. Ah, mais foutez-moi la paix, là. HKPD, who is on? HKPD, look running. Suspect is escaping on foot. I'm in pursuit. HKPD, you are under arrest. Surrender immediately. Stop running, now. Ah, mais foutez-moi la paix, les flics de merde. Putain, ça va faire mal quand même comme une plaque à terre. Une moto, avec une moto je vais aller super vite. Come on, à plus tard les filles. Allez, à la prochaine. La prochaine, les filles. Oh, connard. Oh merde, il me rattrape en plus. Foutez-moi la paix, bande de flics de merde, vous savez quoi? Allez, si on va la jouer comme ça, hop, allez. On va se jouer pute. Allez, à la prochaine! Putain, et c'est chaud, ouais. Et voilà, j'ai réussi à l'échapper. Ah, c'est Teng. Bonjour, moi c'est Teng. Ok. J'ai hâte de faire le grand raciste. Apporter à droit gaming. Putain, mais en vrai, je suis le petit pigeon voyageur de tout le monde. Allez, come on. Excusez-moi, je suis un véhicule prioritaire. Pardon. Eh hey, mec. Ah, il veut se battre. Ok. Oh, hey, little man. Got the stuff, right? Don't worry, I got your stuff right here. Now I can start making money again. C'est bon là? Terminé? Allez, à la prochaine. Il est quand même beau lui en tant que mort. Bon ben voilà, écoutez les gens, on se retrouve pour la prochaine mission qui sera l'avant-dernière mission. On va encore s'en faire deux et puis on coupera l'épisode parce que je ne veux pas non plus qu'il soit trop long pour ceux qui ont moins le temps. Donc du coup voilà les gens, on se retrouve à la prochaine mission, à tout de suite. Ok les gens, donc on se retrouve pour, comme j'ai dit, notre avant-dernière mission. Mais avant, j'ai trouvé un autre spot de prière. Ah, il faut savoir dans le jeu, quand tu as réuni toutes les prières, tu gagnes quelque chose, mais je ne sais plus du tout c'est quoi. Voilà, 3 sur 15, sur 15 hôtels à prier. Et voilà, des améliorations qu'on gagne, voilà. Allez, à la prochaine, c'est parti. Donc, je me suis arrêté ici, vu que j'ai vu le spot pour prier, vu que la mission est juste à côté, autant profiter.
Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, bagarre. Bagarre, c'est parti. Allez, venez, bonne pédé, là. Bagarre pour le mordeur. Non, ok, pardon, on n'est pas exactement dans ce jeu-là ou dans ce film-là, plus simplement. Ouh, double kill. Oula, ouh. Oh là là. Prenez cher. Voilà. Combattant doit pirater la caméra de surveillance d'après ce qu'ils ont dit. Donc voilà, on va la pirater. Alors comment ça marche? Ah ouais, je m'en souviens de ça. Alors on va commencer par une combinaison simple. Hop, 1, 2, 3 alors. Donc ok, donc il n'y a pas de 1, ni de 2, ni de 3 dans la combinaison. Donc on va essayer 4, 5, 6, 7. Alors. Ok. Donc on peut admettre que le 5 est ici, que le 6 est là. Ah non, que le 7 est là, et que le 6 est là. Donc ici ça peut être un 8 ou un 9. Alors, 9 ici, 7 là, et 6 là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire maintenant? Ah, ok, donc il faut que j'aille dans ma planque, souci. Oh putain, encore de la route. Au revoir, madame. Allez, come on! Chingataya! Non, je sais pas ce que je dis, mais faut s'en battre les couilles. Alors, à combien? 300 mètres à faire, c'est bon, ça va être rapide. Oh merde, pardon. C'est ma faute, j'avoue. Putain, oh putain. Ça commence à aller vite, là. Ça commence à aller vite. Pardon. Salut, c'est moi. Il faut aller dans la planque, ok. Ok, trop bien, on va se taper à la télé. Alors que faut-il faire? Ok, donc c'est dans North Point Park Lockfu. Ah d'accord, il va falloir localiser déjà tous les parcs à chaque fois, tous les endroits comme ça. Il va falloir péter la gueule à tout le monde, pirater les caméras. Ah putain, ça va être chiant, ça le leçon. Identifier le fournisseur. Bah c'est lui qui est malade, donc ça peut être que lui, je suppose. Ouais, je vais peut-être sélectionner un peu trop vite. J'espère que c'est lui. C'était lui ou pas? Dites-moi que c'était lui, j'ai pas envie d'avoir arrêté un innocent. Inspector Tang, this is Wei. Fang Shan is down. Popstar will have to reach out to another supplier. I'm thinking we bag them both at once. I agree. Now, if I'm gonna get close to him, I'm gonna need a good disguise. Can you have your people send something over? All right. Keep me informed. Got it. Connexion, d'accord. Allez, niveau 1, allez, allez, wouh! Alors, amélioration. Utiliser un Slim Jim pour une voiture sans déclencher l'alarme ou peut désarmer les piétons. Voilà, allez, autant être discret. Voilà. Bon, du coup, les gens, on se retrouve pour la dernière mission d'aujourd'hui. Donc, voilà, à tout de suite. Voilà, les gens, on se retrouve pour la dernière mission de ce live qui est juste devant l'appart, donc ça, c'est pratique. Pouah! Pop, 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 pop. Allez toi, je t'aime pas. Bah déjà. Un papy. Des papys. Papy grenier.
Ah non, encore les flics. Alors avant, je me suis pris les flics. Alors voilà la technique pour se planquer quand vous avez les flics près de votre appart. Vous montez l'escalier. Vous passez la porte. Et ça y est. Vous êtes sauvés. Voilà, allez, c'est parti. Hey! Excuse me, do you speak English? I like to think so. Well, enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh. Yeah, I speak English. Tu mettrais bien une cartouche, hein? What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm... C'est nous apprendre le kung fu. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way, or Amy. Hey, si elle s'appelle Amy, on pourrait devenir son amie. J'en ai marre de vivre. Allez, passe-moi ma moto. Ah, donc ça veut dire que là, on est en rencard avec la meuf, en fait, là. Oh yeah. So what brings you to Hong Kong? Are you thinking of becoming Chinese? No. I just finished college and I'm doing a bit of travel. Woo! Figuring out what to do with my life. That's right. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks. So this is the Bam Bam Club. Club Bam Bam, huh? I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. Ils font peut-être du bam bam, hein? Ouais, ta gueule. On disait jusqu'au temple. C'est genre la meuf pendant qu'elle parle. Oh, trop bien ce que c'est avec ses bras, la meuf. J'adore ce que c'est fait avec ses bras et ses jambes, la meuf. Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Ah, sympa. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for, what was it, Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Allez, passe-moi cette cinématique de merde. Jusqu'à l'école d'arts martiaux, je crois que c'est bon. Allez. Allez. Pardon. J'arrive. Oh ouais, tu me fais peur. Connasse, hein, ta gueule. C'est moi le mec ici, t'obéis. Oh, c'est chaud, ouais. À peu près. Hein. Ouais, on va me faire une réflexion. C'est vrai que quand on recule, on voit bien que la meuf, elle bouge son cul, regardez. C'est intéressant. Ah ouais. C'est même assez malsain. Isn't this school supposed to be in a temple? Alors qu'est pas ça. Can I help you? Yeah. I'd like to sign up for some kung fu classes. I read about your school in my guidebook. Your guidebook? Yeah. It said you teach a style with a long lineage, but in spite of all that, it's still considered very effective. You want to take classes, okay. And you, did you also read about this place in some book? Well, I... Wait. I know you. Yes, Sifu Kwa. I used to be your student. I'm Wei Shen.
Oh, rencontre entre le maître et l'élève. So you brought this girl back with you. Your skill level with girls very good. Now time to assess your skill level. Ok, le mec il est persuadé que c'est ma meuf déjà. Écoute, t'as pas l'air contre, hein. Avec son petit cul là. Tout va bien. Amen. I see time in America has rusted your skill. Ah. Un, maintenir, ok. Un, maintenir. X, maintenir. Concentration. X, maintenir. Oh, ça y est. Ça y est, je peux me donner à fond. Vas-y, allez. Bam. Qu'est-ce que tu veux, toi, avec ta tête de panda sur le t-shirt, là? Et toi, ta gueule. Et il me casse la gueule, en fait, là. Voilà, là, c'est réglé pour toi. Ok, bon, toi, t'arrêtes le kung-fu, je pense. Toi aussi, visiblement. Did you practice by watching television? I try to steer them in the right direction, especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student. Corrupted by the triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. So was I. This collection meant a lot to me. On s'en fout. On a le droit de se dire, hein, récupère les statues dès que tu les verras. On pense balayage numéro d'Amanda. Ok, donc c'est bien l'édition numéro, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se la taper clairement. Bon, bah du coup les gens, c'est la fin de. De ce deuxième épisode, de notre Let's Play Sleeping Dogs. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez, hein, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, tout ça, partager la vidéo. Donc les gens, du coup, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Voilà, à plus tard.